Salut à tous et à toutes, c'est Max du 15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement. Je sais pas ce que je vais dire dans cette vidéo, mais ça va être hardcore. Ça va être hardcore parce que en ce moment, sur TikTok, il y a une vidéo qui tourne d'un gros fils de pute qui a maltraité un canard, un animal, un canard. J'ai vu cette vidéo, elle m'a choqué parce que il shot carrément dedans comme si c'était un ballon le truc. Il shot dedans. Donc ce gros fils de pute de la putain de sa mère, hein, j'ai pas de mots, j'ai juste ça. J'espère qu'il va se manger une de ces tartes dans sa gueule. J'espère qu'il va subir le même sort qu'il a fait à ce pauvre canard. J'espère qu'il va avoir le même sort. Parce que ce gros fils de pute, là, il fait le kéké avec des petits animaux. Avec des humains. Avec nous. Est-ce qu'il va faire encore son kéké, là? Parce qu'un canard, ça se défend pas. Quoi. On doit faire quoi? On doit le buter, sa race? Moi, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Moi, je suis dégoûté de ce genre de personnes qui font du mal à des animaux juste pour du buzz. Tu sais faire du buzz, or, sans faire de mal à des animaux. Le canard, il t'a rien demandé, mec. Le canard, il a rien demandé à personne. Et lui, ce fils de pute, il fait quoi? Il chope dedans comme un ballon. C'est comme si moi, je prenais ta mère et je chotais comme un ballon. T'as pas de vie, mec. T'as pas de race. Avec ton vieux style de merde, là. Moi, ça me dégoûte. J'ai même plus envie d'aller regarder des TikTok. Parce qu'il n'y a que ça. Il y a des gens qu'on parle, ça fait le tour des réseaux. Ça doit faire le tour d'Instagram, ça doit faire le tour de YouTube. Même, j'ai pas été voir s'il y avait des vidéos consacrées à ça. J'en sais rien. Mais sur TikTok, ça parle que de ça. Donc à un moment donné ou l'autre, il faut, je sais pas, TikTok, il bloque des personnes qui font rien. Mais par contre, de la maltraitance d'animaux, il bloque pas. Mais c'est quoi cette logique de merde? T'as des gens, ils font des TikTok pour s'amuser, tout le bazar. Il y en a qui signalent, hop, leurs vidéos ou comptes bloqués. Même le truc de live sont bloqués. Et t'as un fils de pute qui fait quoi? Il shot dans un canard comme s'il shotait dans un ballon. Sa vidéo est signalée. Et ça bloque pas. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Moi, je vais vous dire. Je vois les infos. Et Donald Trump, il a demandé à interdire TikTok aux États-Unis. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je dis qu'il a totalement raison. Et ça devrait être partout. Ça devrait être partout. Parce que la vinouam, des gens, ils font des TikTok, ils font des lives. Des gens les signalent parce qu'ils n'aiment pas la personne. TikTok bloque les vidéos, il bloque le compte. Par contre, quand t'as un gros fils de pute de la putain de sa grosse pute de mère qui fait les trottoirs tous les soirs H24, qui shot dans un canard, là, TikTok bloque pas. Alors, ça devrait être interdit. Mais genre interdit. Moi, maintenant, avant, je disais, ouais, mais Trump, il exagère un peu avec ça d'interdire TikTok et tout le bazar. Mais maintenant, je comprends pourquoi il bouge son cul pour interdire TikTok. Je comprends et maintenant, je le soutiens par rapport à ça. Je le soutiens, je lui donne totalement raison. Et ça devrait être interdit partout. Ça devrait même pas exister, ce truc. Moi, j'y suis, je fais des TikTok pour m'amuser aussi. Je dis pas le contraire. Mais là, ça devient ouf. Tu bloques des comptes pour que dalle. Mais par contre, quand il y a un mec qui shot dans un canard, t'as beau signaler, TikTok bouge pas. Faut faire quoi? Ça fait péter les plombs à un moment donné. Trouve pas. Vas-y, bref, c'est chaud. Moi, je vais plus parler. Moi, je vais plus parler de ça parce que ça va me saouler. J'ai pas envie de parler 30 ans avec ça. Juste, j'espère que ce fils de pute, il va se faire buter la gueule. Il va se faire casser la gueule. Buter la gueule, c'est casser la gueule. Hein. Mais je dis juste ça comme ça.
Parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Frapper les animaux, c'est les pires. Les gens qui frappent leurs animaux et qui maltraitent les animaux, c'est des pires crasses. C'est des pires fils de pute. C'est même pire que des fils de pute. Pour te dire. Enfin bref, moi, j'arrête de parler de ça. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez vraiment de cette histoire. Et puis voilà. Bye bye tout le monde. C'était Mazukaze.